Alors, c'est une pièce déjà que j'ai commencé à écrire en 2019, donc juste avant cette année particulière. Je voulais parler donc du temps qui passe trop vite, qui nous file entre les doigts. Ce trop-plein d'écran, cette addiction qu'on peut avoir, toute cette hyper-connexion en permanence. Donc, dans Pas le temps qui passe, en fait, c'est vraiment une course après le temps, après son temps, après soi, après l'autre. Je me sers du vécu réellement et j'essaie d'impliquer les danseurs dans ce process-là. Chaque personne va apporter une sorte de vibration différente, donc une gestuelle différente. Va donner une âme différente et donc une couleur différente. Et la pièce va se mélanger, s'agrémenter de toutes ces couleurs. Je vais pouvoir exprimer et me servir, entre guillemets, de toutes ces couleurs, rajouter la mienne et former un arc-en-ciel de vibrations.